De retour sur le plateau de ETV Service, et oui, il vous l'avait promis hier et il a tenu sa promesse. C'est bien vrai. Sûr que Hockey Peg est de retour sur le plateau, mais il n'est pas venu tout seul. Oui, non. Il est directement sorti de Houston pour venir en Guadeloupe. Il vous donne rendez-vous samedi 21 pour Gospel Explosion. Il est avec moi sur le plateau. On reçoit Kurt Carr. Welcome. Thank you. How merci, you doing? Merci beaucoup. Oh, hey, il parle français? Oui, il parle français. Un peu. What word do you know in French? Magnifique. Guadeloupe. Guadeloupe. Okay, you know the best word. Guadeloupe. All right, word. It's okay for us. Kerki. Yes. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Un vrai plaisir d'être là. Tu as tenu parole et ça, j'aime ça. Eh bien, ça fait vraiment plaisir. Franchement, tu es venu avec le maître parce que oui, histoire de vous le présenter dans deux, trois mots, tous les chanteurs de gospel se basent sur sa musique. C'est lui, que ce soit en France ou même dans la Caraïbe. Quand vous entendez du gospel, ça vient de Kurt Carr. Donc on va faire connaissance. Kurt qui est là, bien sûr, pour traduire. Alors, est-ce que tu peux lui demander quand a-t-il commencé la musique gospel? So can you tell us when did you start to doing gospel music? I started late. I actually did not start going to church until I was 15. Voilà, okay. J'ai commencé très tard et j'ai commencé en gros à aller à l'église quand j'avais l'âge de 15. And we moved when I was 15, across the street from a church. Et en fait, on a déménagé, on est allé dans une église, enfin, on a déménagé vers un endroit qui était plus proche d'une église. D'accord. So I moved into my destiny. Ok, you moved into your destiny. Voilà. Yeah. Et est-ce que justement, il savait déjà chanter avant de rentrer dans cet univers? And you were already know how to sing gospel music? Yes, not gospel. I never heard gospel in my home. One song. Je n'ai jamais entendu de gospel. Voilà, à l'époque, que Happy Day, mais je ne connaissais pas de gospel à l'époque. Ok, yeah. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il a plu dans le gospel? And what did you... why you chose gospel music? I said earlier, I think it chose me. Okay. Donc, I moved le gospel m'a choisi. From a church, and j'ai déménagé dans un coin où il y avait à côté d'une église, en fait, du moins. And had no clue that the gospel was going to bring me here, to Guadeloupe. Comme quoi, vous avez vu? Eh oui, le gospel l'a emmené ici sur nos terres. Alors, est-ce qu'il peut nous parler, bien sûr? Il a neuf albums. Cet homme a déjà neuf albums, mais il y a deux particulièrement qui l'ont mis devant, dans la lumière. Est-ce qu'il peut nous en parler? Okay, so you say you have so many albums. You have nine CDs, but there's no one last album who bring you to the light for the French destiny and your last CD. So can you talk to us about the CDs that make you famous? Every Mountain was my first breakout hit. Voilà, for Every Mountain, c'était vraiment le premier titre qui a tout tué, quoi. Okay. Ouais. And that's what made me known around the world. I had already been successful because I was a pianist. C'est ça qui m'a amené à travers le monde, mais bon, j'ai toujours un peu connu le succès depuis parce que j'ai commencé en tant que pianiste. For James Cleveland. Pour James Cleveland, qui est une référence de la gospel music. Yeah, so I had already worked with everyone at his church. J'avais déjà travaillé avec tout le monde par rapport à son église. Okay. At his church, Stevie Wonder, Gladys Knight, Aretha Franklin. I played for all of those people as a young kid. I was 19. J'ai joué pour tous ces artistes alors que j'étais tout jeune. Wow. Vous avez entendu un petit peu la liste des noms, Stevie Wonder, Aretha Franklin. C'est du lourd. Il est là sur le plateau de ETV Service. Exact. Alors justement, ce qu'il peut justement décrire pour celles et ceux qui ne connaissent pas peut-être ce qu'est la musique gospel. Aussi, okay, for the people who don't know exactly what is gospel music, can you describe that music a little? Well, the music changes, but the message is about the good news of Christ. Voilà, la musique peut changer, mais le message est à propos de la vie de Jésus-Christ. Ok, mais pourquoi il y a tout ça? La vie meilleure. Ouais. La vie est meilleure. Oh, oui. Hey, voilà. Je vous ai dit pas le français. Better on voit life. Que c'est toujours, il y a toujours de l'ambiance dans les chants, dans la façon d'animer. Est-ce que c'est ça qui caractérise vraiment la musique gospel? So you see that for every gospel event or concert, you have a lot of it moves a lot, and you have a lot of how I can say that. Energy. That's the right word. So Energy. Exactly. That's the right word. So is that gospel music too? Yes, that's a part of it. C'est une partie de la gospel music. Because we're singing the praises of God, parce it touches people's la présence hearts. De Dieu, ça touche le cœur des gens. Le cœur.
Le cœur. Le cœur, voilà. Et est-ce que tout le monde peut venir assister à des, justement à des shows de gospel? And does everybody can come to assist to God, come to gospel? Oh yes, oh yes. Absolument. Oh yes. Absolument. Okay. Alors, comment prend-il son rôle d'influenceur? Parce que comme on l'a dit au début de l'émission, il influence vraiment la partie française, en France, bien sûr, mais aussi dans la Caraïbe. Alors, est-ce qu'il peut nous parler justement? Est-ce qu'il a conscience de l'influence qu'il a sur les chanteurs de gospel? You have a lot of influence in the gospel industry. And how do you live that? Because a lot of people follow you and like your music, and you influence by, right now, the others. So, what do you think about that? It's an honor. C'est un honneur. I'm starting to feel old. Ça me fait me sentir un peu vieux. They call me, the young guys call me Uncle Kurt. Les jeunes l'appellent Oncle Kurt. I'm not that old. Ty Tribbett and Mary Mary, and I actually watched them all grow up. Ouais. Mary Mary, tout ça. Mary Mary was in the choir when I recorded For Every Mountain. They were in my choir. Voilà. Mary cool. Mary, avant de devenir Mary Mary, elles étaient ses choristes dans la chorale quand il a enregistré justement For Every Mountain. Parce que c'est fou, effectivement, il a eu dans sa chorale Mary Mary, mais aussi Anastasia, alors que personne ne connaissait encore. Voilà ce que nous parle. Anastasia, yeah. She's in the choir, yeah. She was a choir member of my church. And then one day I was on a plane. Ouais, et puis elle était membre de sa chorale, et puis un jour, and I watched, there was this girl singing in a stadium with like 100,000 people. Et puis un jour, voilà, il ouvre sa télé, puis il voit que cette jeune fille chante devant des millions de personnes. She went to Europe and became a huge star. That's great. Yeah. Exact. Oui, mais en fait, voilà, il a vu à la télé, il s'est dit, mais c'est quoi, en fait, c'est bien elle, en fait, qui est devenue une superstar, quoi, en fait. OK. Il est dans la discussion avec nous, limite. Ouais, bon. T'es chez toi, là, de toute façon. Bon, écoute. Alors, justement, parlant des stars, on a l'impression, justement, qu'il y a énormément de stars, comme on disait avec toi, qui sont sorties du milieu gospel et qui ont vraiment une marque vocale impressionnante. Comment est-ce qu'il explique ça? Est-ce que le gospel et le milieu gospel, bon, mais c'est vraiment une très bonne école pour tous les chanteurs. Right now, you have a lot of famous artists. Right now, they are superstars, but they started in at church. Oh, in church, and so, what do you think about it? How you can you explain that? It's the power of gospel music. C'est la puissance de la gospel music. And it touches the soul. Et ça touche l'âme. And that's why many people from the church go on to be successful because they touch the soul. Okay. Ouais, et beaucoup de gens qui de l'église vont enfin connaissent like le succès Whitney parce que Houston, ça touche Whitney Houston. L'âme. That Whitney was Houston. God. That Whitney only Houston, God Dieu, could do fait. That. Il y a que Dieu qui peut faire ça pour Whitney Houston. And I will always love you. Mesdames et messieurs, il sera le samedi 21. Ne loupez pas ça, c'est direction Petit Bourg. Ouais. Justement, on voit aussi, on constate qu'il y a énormément de mélange de styles R&B. En fait, vraiment, il visite tous les styles. Est-ce que pour lui, c'est un petit peu le futur de la gospel, c'est-à-dire ce mélange de styles musicaux? You see that so you use so many different kind of styles in your music. And do you think that it's the new gospel sound right now? Or not original song, but the new. Well, I try to have my own style. Okay. En tout cas, je fais de mon mieux pour avoir mon propre style. To me, that's with this generation. Pour moi, avec cette génération. If I could say one negative thing. Si je peux dire une chose négative. Everybody sounds the same. Tout le monde a le même son, en fait. Everybody wants to be Beyoncé. Tout le monde veut être Beyoncé. Oh, les jeunes artistes, vous écoutez ça? Everybody wants to be Kirk Franklin. Tout le monde veut être Kirk Franklin. You have to have your own style, and I think that's what has kept me going. I've been doing it now for years. Years. Voilà, ça fait maintenant des années que je fais ça. OK. Alors, justement, encore une fois, le gospel va vraiment rassembler tout le monde. On vous rappelle que c'est le samedi 21. Est-ce qu'il a un petit message justement pour les jeunes chanteurs? Okay, so you said that the concert will be done on Saturday night, but do you have a specific message for the young singers? Well, hopefully we'll inspire them. I think the best way to inspire children is what they can see. Oui, de faire attention à ce qu'ils regardent parce que le meilleur moyen d'influencer les jeunes, c'est ils sont influencés par ce qu'ils voient. Donc vraiment, de faire attention entre guillemets à ce que l'on voit. Il a aussi eu énormément de récompenses grâce à ses morceaux. Comment là encore il vit tout ça? Est-ce qu'il s'attendait à tout ça? C'est-à-dire, you won so many awards with your music and
Did you, when you started, did you think that you would have so many of us? Never. Remember, I didn't even grow up in church, so. Donc j'ai déjà, à la base, j'ai même pas grandi dans l'église, donc je pensais même pas avoir tout ça. Yeah. The Clark sisters were at my house recently. Les Clark sisters étaient chez lui il y a pas très longtemps. And they were like, and you didn't grow up in church? Et quand elles ont vu en fait tous ces prix, elles ont dit, mais en plus toi t'as même pas grandi dans l'église, t'as tout ça de prix en fait. And God gives you songs that the whole church sings around the world. Voilà, parce que Dieu lui a donné des titres que finalement toutes les églises dans le monde chantent. Alors on se rend compte aussi qu'il a une classe internationale. You look so real. Est-ce que c'est important lorsqu'on chante comme ça d'avoir la classe? He said that you look really good. You have a specific class. So that is it important style, for you to get that? Style is important. Style is important. Style is important. Yeah. Okay. Donc pour lui c'est important justement de paraître bien déjà lorsqu'il va voir son public. Absolument. Absolument. C'est extraordinaire. Alors, est-ce qu'il peut parler maintenant de son actualité? Est-ce qu'il prépare un album ou est-ce qu'il le prend single par single, un petit peu comme les artistes d'aujourd'hui ici? Alors, son nouvel album est sorti il y a quelques semaines à peine. Il y a surtout le morceau Bless Somebody Else qui est un tube. Qui est un tube. Piche. Mais il a peut-être une actualité qu'il va voilà, peut-être révéler. Il dit, do you have something new to tell us about your music? What's will be done the few days. My new song Bless Somebody Else. Mon nouveau titre Bless with Somebody Else. 12 different artists. Avec 12 différents artistes pointures de la gospel music. And we just finished a video. On vient de terminer le clip. With Faith Evans and avec Faith Evans, Kiki Wyatt, Bishop Kiki Wyatt. Jakes, Erica Campbell, Erica Smokey Norful, okay. Yolanda Adams. All on one song is I'm excited. Tous ces artistes sur un seul morceau, c'est vraiment excitant. So you have to play the video. Yeah, okay. Voilà. Donc, mais on joue pas la vidéo, mais au moins on joue les lyrics. Donc vous pouvez voir, voilà. c'est les lyrics du morceau, c'est juste là, c'est non, juste en haut. On vous donne tout, sinon vous cliquez. Et y a non, pas de mais le, en fait, le clip sort dans quelques jours à peine. En fait, hein. Il nous a dit que le clip va sortir à Noël. Okay. Donc il dit que ben voilà, Éclair Télévision devra jouer ce clip aussi. Je pense qu'on va nous réclamer forcément parce que là, je pense qu'il fait plaisir vraiment à tous les téléspectateurs. Et dans son album, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Est-ce que c'est seulement lui? Est-ce que justement il y aura des featuring? Qu'est-ce qu'on peut y trouver, combien de morceaux, can you just give us a few informations about your last CD? Who sang with you? Who are the featuring on the last CD? So, again, on this song, it's 15 new songs. Il y a 15 nouveaux titres. It features the whole cast on Bless Somebody Else with the 16 artists. Also, Leandria Johnson. Okay. Leandria Johnson aussi. Who's very, very famous in America. Qui est très, très, très connue aussi. She's like the greatest right now. And that's it. My incredible singers. I've got the best singers in the world. Voilà, il est très fier de ses chanteurs. Il dit qu'il a vraiment les meilleurs chanteurs du monde. Donc voilà, il y aura tous ces artistes qui sont déjà en featuring. Okay. Et puis bon, ces artistes, ces choristes du moins à qui il a donné de l'espace sur l'album. You'll see tomorrow. All right. Them are coming with us. Et voilà. Okay. Et donc samedi, il y a certains chanteurs qui seront là avec nous sur scène. Donc vous voyez, cet événement est juste immanquable. Alors justement, si on veut se faire une petite playlist de gospel, qui doit-on écouter? So he said, if you want to do a playlist of gospel music, who we supposed to hear? If you have to do a playlist. Nowadays. Gospel music. Now, maintenant, Kurt Carr. Of course. I love Jonathan McReynolds. He's a new guy. Jonathan McReynolds, ah oui, lui c'est énorme. Tremaine is my favorite singer. Tremaine Hawkins, c'est sa chanteuse préférée. Okay. Qui était avec nous en 2012 en Guadeloupe. Kiera. Oh, I just wrote a song for the Clark Sisters. Voilà. Alors okay. Kiera Shield, il vient juste d'écrire un titre pour les Clark Sisters. Dont d'ailleurs le biopic sort dans quelques semaines. They're doing a movie about their lives. Voilà, un biopic qui sort sur leur vie, les Clark Sisters qui sont légendaires. Okay. Et ce biopic est produit par Queen Latifah et Mary J. Blige. Ok, que des grands noms les enfants. Vous avez l'impression d'être au cinéma? Non, vous êtes sur OTV. Alors justement, alors maintenant si on veut le suivre, est-ce qu'il est connecté sur les réseaux sociaux? Voilà. Do you have Facebook, Instagram, yes. A website, please? The Kurt Carr. The Kurt Carr for everything. The. En français, Kurt. The. The Kurt Carr. Carr. En français, Carr. Exact. Et justement, s'il avait un message à dire à la Guadeloupe, à Martinique, à Saint-Martin, à Guyane, à Haïti, Dominique,
Sa caméra est juste là. So if you have a last message for Guadalupe, Martinique, mm-hmm. Martin, Dominica, each country that can watch Éclair Télévision, mm-hmm. what would you like to say? The message is just right here. The message I have for today is that it's important, c'est important that every person que tout le monde find a way que tout le monde trouve to bless chemin. Another person. Il faut que tout le monde trouve un moyen de bénir les autres personnes autour d'elle. Excellent, c'est beautiful. Man, all right, you got it. En tout cas, cœur qui toi aussi, on va revenir à toi. Ouais. Parce qu'encore une fois, c'est lui, il apprend bien sûr à nos plus jeunes tout ce qui est les techniques vocales, voilà, le gospel. Il fait énormément de shows et de spectacles. On va redonner aussi tes adresses sur Internet. Tu as Facebook, tu as Instagram. Facebook, Twitter, Instagram, vas-y, voilà. Ben, Blue Melody School. Tout simplement. Blue Melody School, Facebook, Twitter, Instagram et puis Blue Melody School Radio pour le site Internet. Et en tout cas, on est très, très heureux d'avoir la possibilité de saisir ce type d'opportunité pour permettre à la Guadeloupe de recevoir des grands noms de la gospel music comme Kurt Carr. Vraiment, parce que ça fait vraiment plaisir, parce qu'il y a énormément de fans de gospel ici en Guadeloupe. Je pense que samedi, ça sera vraiment rempli. Vous on avez vu bien. Ce qui vous attend samedi. Il y a du professionnalisme, les amis. Eh oui, rendez-vous à Petitbourg. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Merci. Cinq salotes. Oh. De rien. Il parle français, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Français, anglais, voilà, c'est la Caraïbe. Voilà, nous, le temps de remercier, bien sûr. Eh oui, mes partenaires, l'écran qui m'habille de la tête aux pieds à Bastère. Et puis encore une fois, si vous en avez marre de faire votre lessive, direction Le Moule, Net Blanchisserie, Pressing, ils font ça aux petits oignons pour vous. C'est merveilleux. Encore une fois, thanks a lot. And see you Saturday. Okay, great. All right. Okay. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ETV Service sur ETV.